Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Nous allons partir en PVP, tester ce fameux Gogeta Super Saiyajin Blue. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Karim DJ qui m'a encore fait un overlay incroyable, les gars, mettant en scène Broly, les Super Saiyajin God, et bien entendu, vous allez voir arriver le beau gosse Gogetada. Donc vraiment, merci à toi Karim pour le travail que tu fais, c'est incroyable, merci beaucoup. Et je tiens aussi à dire un grand merci à la communauté, merci à vous de votre soutien, parce que là, actuellement, on vit des trucs de dingue. Hier encore en live, 3500 viewers, on s'est tapé des barres de fou rire. Et franchement, c'est bien pour cela que moi, j'avais créé une chaîne YouTube. C'était pour rigoler, pour délirer, pour faire du divertissement. Et c'est super top de partager tout ça avec vous dans la passion de Dragon Ball, une passion qui nous réunit. Donc vraiment, merci à vous du fond du cœur. Maintenant, les gars, on va partir en showcase pour ce Gogeta. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai fait une team fusion. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, ouais, logiquement, la team divin serait beaucoup plus adéquate pour le Gogeta Super Saiyajin Blue. Surtout qu'à 3 étoiles, il n'a pas la cap Z fusion pour booster le reste de la team. Mais j'ai fait ça tout simplement pour le kiff, pour le plaisir. Le plaisir de jouer les deux Gogeta côte à côte. Le Gogeta Zenkai 7 du film Fusion contre Janemba, qui du coup n'est pas canon. Et le Gogeta canon du film DBS Broly, jouer ces deux beaux gosses côte à côte. C'était mon kiff. Voilà, j'avais envie de faire ce kiff là. Et du coup, voir ce que ça pouvait donner en PVP. Alors, on va tout de même regarder un petit peu le Gogeta brièvement. Au niveau de la cap Z, forcément, elle est intéressante. Double cap Z, 26% d'attaque physique et d'énergie de base, épisode saga des films. Et des petits divins, donc saga des films, du coup, même s'il n'a pas la cap Z fusion, eh bien du coup, il va venir booster ce beau gosse, le Gogeta du film Fusion, qui, eh bien, est épisode saga des films. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Et bien évidemment, il va booster également le Vegeto Blue, le VB, parce que oui, il est qui divin également, le VB. Les seuls persos qui ne va pas booster, eh bien, c'est Kefla, le Vegeto Transfo et le Vegeto Legends Rising. Ça, en gros, on s'en fiche de ces trois-là. La vérité, logiquement, je pars avec le trio du haut, comme vous pouvez le constater. Ensuite, on a du coup le Gogeta, plus besoin de le présenter, le Gogeta Zenkai incroyable, et je prendrai, je pense, le VB, parce que déjà, premièrement, il est tout de même 7 étoiles, et il ramène rapidement les Dragon Ball avec ses fameuses strikes, tu vois, tu tapes, la strike revient, ça te rebooste le ki, etc. Ça peut être vraiment intéressant, et surtout, il est Legendary Finish également, tout comme le Gogeta Legendary Finish. J'espère sincèrement pouvoir faire un Legendary Finish dans cette vidéo, on verra ce que les games en PVP vont donner. J'aimerais vraiment vous montrer quand même le Legendary Finish de Gogeta Blue, et puis également si les gars ne rush-click pas, hein, voilà, on verra, et aussi si je gagne les games, hein. Voilà, tout simplement. La Kefla, elle peut être intéressante si du coup je tombe contre une team avec du Badak Zenkai, le Goku LF Namek, etc. Si vraiment il y a beaucoup de bleu, je peux me permettre de mettre la Kefla, tout simplement parce qu'elle est 14 étoiles déjà. Et elle a une cap Z intéressante qui vient booster le Gogeta. Ça rigole pas. Hein. 38% l'attaque physique des classes guerriers fusionnées. Donc 38% les gars d'attaque strike sur le Gogeta. Je vous laisse un peu imaginer le délire. En termes de stats, eh bien écoutez, c'est pas un truc de fou, mais c'est quand même correct. Par contre, voilà, on part quand même sur 2 millions d'HP, voilà, de points de vie. 215 en strike, 210K en attaque d'énergie, 131 en défense. C'est pas incroyable, parce que pourquoi on dit que c'est pas incroyable? Parce que c'est pas un Zenkai, voilà, tout simplement. Mais en soi, si jamais il n'y aurait pas les Zenkai, c'est très fort. Par contre, après, c'est au niveau des passifs, etc. Même au niveau de la carte verte, c'est incroyable. La carte verte réduit de 30% les dégâts subis pendant 5 secondes. Cumul impossible. Lorsque vous êtes en garde, un contre se déclenche en réaction au tap-attaque, aux charges et aux arts physiques de l'adversaire. En gros, si jamais l'adversaire arrive pour te mettre une strike ou une tap attaque ou un tackle ou quoi, tu mets la carte verte, il fait ça. Hop, et là, ça y est, c'est bon. Déjà, l'animation, elle est incroyable. Et là, après, ça y est, ça part en cacahuète. Lorsque le contre se déclenche, les effets suivants s'activent. Tire une carte strike au tour suivant. Régène le ki de 40.
augmente de 50% les dégâts infligés pendant 10 secondes. 10 secondes, c'est très long quand même, hein. Ça augmente de 50%. Annule les bonus de stats de l'adversaire. Inflige relève interdite à tous les ennemis pendant 5 secondes. C'est vraiment un truc de fou. Art avec lequel il est possible d'enchaîner. Strike, énergie, spéciaux, ultime. En gros, tu combos avec tout ce que tu veux. Donc là-dessus, franchement, c'est vraiment intéressant. Donc il y a la cover aussi, la cover strike. En gros, il y a un adversaire qui vient pour te mettre une strike. Tu switches sur le Gogeta. Hop, la cover, frérot. On va voir un petit peu ce que ça donne, les gars. La saison PVP vient de recommencer. Donc on est au tout début de saison. Espérons que ça se passe bien. On est parti en combat. Ok, alors premier combat, Team Future en face avec du VB, du Black Goku, Transfo, le Cell également, le Zamasu, Vegeta. Bon, moi je vais partir avec VB, le Gogeta Blue évidemment, et puis bon, bah je pense que voilà, on va partir avec le trio comme j'ai pu vous le dire. Let's go pour ce premier combat. On est parti. Ok, parfait. Il va ramener Zamas, break cover. J'ai pas réussi à faire la break cover, les gars. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, let's go. Et... ok, tap attaque qui passe. Donc là, il a pu l'esquive. Parfait. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ok, là par contre, je peux faire rentrer le Gogeta. Voilà. Bim. Et bim. Voilà. Ça, déjà, c'est fait. Allez. La première vie de Cell, déjà, elle a foutu le camp. Let's go. Bien, wesh. Ok, donc là, comme ça, on encaisse tranquillement avec le VB. Ok, là, on va faire attention à son Black Goku Transfo. Allez, tu fais quoi? T'attaques, t'attaques pas, tu restes en fond de map. C'est bon, allez hop, bim. Voilà. Voilà. On fait rentrer le beau gosse, bien évidemment, il a re-switch, très bien. Nous aussi, on va re-switch. Là, on peut faire le main. Hein. 1,7 million. Ça tue ou pas? Ça tue ou pas, les gars? 1,7 million de PV. Mon avis, ça va faire mal. Hein. On l'a presque tué. Hein. On lui a enlevé 1,5 million. Ok, tap attaque. Parfait. Allez, bim. Voilà. Ayoust. Ici, c'est Team Gogeta, frère. Ok. Ça va, ça encaisse. J'ai même pas encore fait le Rising Rush. Pour l'instant, on est pas mal dans la game. Ok, on va faire attention. Ok, parfait, c'est fait avoir. Parfait. Bon, Zamas, là, il est mort. Hop, voilà, encore une autre blast et c'est terminé pour Zamas. Allez, hop, bim. Ça dégage. Ça dégage. Ok. Je vais pas à Rising Rush. Je vais pas à Rising Rush. On va faire le main. Hop, voilà, il redevient full life, le VB. Et du coup, on balance le main là-dessus. Est-ce que vous voyez que la team, elle est forte, là? La vérité, la team est forte. C'est un délire. Alors, j'aurais peut-être dû switch sur A. Lui, par contre, il me Rising Rush. Allez, on va dire Blast. Moi, je fais pas le Rising Rush, monsieur. Et c'est Blast. Allez, boum. Voilà. Du coup, le Gogeta. Voilà. Ça... J'aurais dû activer le main pour le LF. Je suis dégoûté. J'aurais dû activer le main. Ça m'apprendra. Bon, les gars, c'est normal. C'est le début. Je joue avec Gogeta. J'ai complètement zappé le main avec Gogeta Blue pour vous montrer. Mais ça aurait été un truc de fou. Bon, bah, la première game, les gars, comme vous avez pu le constater, ça cogne très très fort. On va partir sur la game suivante. Et j'espère que ça va bien se passer également. Allez, deuxième combat, les gars. Team Future encore en face avec du VB. Il y a Black Goku Transfo. Il y a Zamasu également. On va repartir avec le même trio VB et les deux Gogeta. Allez, on va se concentrer. Ok, parfait. On va mettre une blast au cas où s'il y a une cover. Eh oui, il a voulu mettre la cover. Eh ben non, monsieur. Eh ben non. Ok, le beau gosse. Ok, là, ça peut tuer Zamasu. Hein. Là, ça peut tuer Zamasu. Hein. Oh, oh, il a failli mourir. Il a failli mourir.
En fait, non, il est bien mort. Oh, mes screens, oh, Zamasu. Et ça, c'est grâce à la Kefla dans ma team 14 étoiles qui peut faire peur, hein, alors que je la prends pas. Ah, là, ça passe. Oula, oula, je prends des dégâts, là. Ah, le Black Goku, ça rigole pas aussi. Hein. Sur le Gogeta Zenkai, hein, il m'a enlevé presque la moitié de la vie. Hein. Sur le Gogeta Zenkai, c'est fort. Franchement, c'est fort. Ok, parfait. Voilà, allez, encore. Le beau gosse. Let's go. Let's go. Alors, je vais pas faire le main. J'aimerais bien le garder pour un petit élève, si on peut. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. J'aimerais bien garder le main pour un élève, quoi. Voilà, j'aimerais bien élève quand même dans la game, ça serait cool. Après, si Rash quitte pas, ou et même, faut que j'arrive aussi à gagner cette game, hein, parce que c'est pas encore fini, hein. Ok. Let's go. Allez, la verte. Allez, la verte. Le contre pas, si tu le contre pas, on est pas mal là. Yes! Allez, let's go. Yerzo! Franchement, hey, deux Gogeta côte à côte. Le Gogeta Blue et le Gogeta des années 90. Incroyable. Incroyable. Ah là là, t'es mal. Ah là là, t'es mal. Ouh là là, t'es mal. Donc là, VB full life hein, à la base. Ok. Ok. On va mettre Gogeta, ça va remonter le ki. Ok. Quitte pas. Quitte pas. Quitte pas. Tiens. 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 Légende des fées chelou. On l'a fait. Purée, je voulais vous le faire pour la vidéo. On a réussi. Yes. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, les gars. Oh là là. Incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable. Alors, dites-vous bien que là, c'est un Gogeta à 3 étoiles. Tu vois, c'est pas un Gogeta à 7 étoiles, à 14 étoiles ou quoi, un Gogeta à 5 étoiles. Il a que 3 étoiles. Il est vraiment très bon. Il n'est pas non plus dans la meilleure des teams. Je pense que la meilleure des teams pour lui serait la team divin. Voilà, surtout que moi, par exemple, bah, j'ai migaté quand même cette étoile. J'ai également, bon, il y a quand même le VB. J'ai également le Beerus que j'ai Zenkai il n'y a pas longtemps. On pourrait faire vraiment une team intéressante autour de Gogeta Blue en team divin prochainement en showcase, les gars, avec le Beerus, tout ça, Migaté, ça peut être vraiment pas mal. Je pense également, bon, il y a du Champa, mais bon, Champa, il est type jaune, il y a du Vados. Vados qui pourrait vraiment être aussi intéressante avec le Gogeta. Franchement, les gars, je suis plutôt content. Voilà, c'est kiffant. Voilà, tout simplement, c'est kiffant. Là, j'avais envie de me faire ce kiff, jouer le Gogeta des années 90 du film Janemba aux côtés du Gogeta Blue du film Dragon Ball Super Broly. Quel kiff. Voilà, les amis, pour cette vidéo, on va se retrouver en live duel invocation dans le week-end contre Ludivine parce que bah, malheureusement, elle n'a toujours pas le Gogeta Blue ni même le Broly. Et d'ailleurs, le Broly, nous, on a réussi à le choper. J'irai également le tester en PVP pour vous dire ce que j'en pense et ça a l'air d'être vraiment très très costaud. Voilà, en tout cas, le Gogeta Blue, c'est un régal de le jouer. Comme d'habitude, les gars, max de pouces bleus en mode Genkidama pour le soutien. Abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications pour ne rien rater de la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à me suivre et à aller me follow sur Twitter. Le lien est dans la description de cette vidéo. Sur ce, les amis, passez de très bons moments avec vos proches pour cette fin d'année. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super! Non, 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 non! Yeah!